Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège. C'est la nuit de votre victoire. Pouvez-vous la déclarer avec moi? Déclarez-la avec moi, car la parole a du pouvoir. Déclarez-le comme ceci. C'est la nuit de ma victoire. Gloire à Dieu. J'ai une parole, une direction à vous donner ce soir. Dieu m'a donné une direction très forte. Vous savez, cette direction que, lorsque nous l'entendons, nous devons garder dans nos cœurs, ne jamais l'oublier et la mettre en pratique. La direction que je vais vous donner. Ce soir est l'une d'entre elles. Cette direction qui vient de Dieu, qui ne nous apporte que la victoire, que de bonnes choses, si nous la mettons en pratique. Je vais vous dire deux choses qu'il faut bien observer dans votre vie, qu'en dessous de Dieu, en dessous de votre santé, les deux choses les plus importantes dans votre vie. Il y a deux choses très importantes qu'il faut avoir beaucoup de sagesse pour utiliser. J'ai même écrit ici, le Saint-Esprit a parlé très fort dans mon cœur, j'ai écrit ici deux mots qu'il faut savoir utiliser. Premièrement, c'est notre temps. La première chose que nous devons apprendre en dessous de Dieu, en dessous de notre santé, la chose la plus importante que nous ayons, c'est notre temps, parce que le temps passe, et il passe très vite, n'est-ce pas? Notre temps est éphémère, il passe très vite. Il y a donc deux choses très importantes que nous devons savoir. Comment nous l'utilisons et avec qui nous l'utilisons. Il y a des gens qui donnent de leur temps. Il y a des gens qui perdent leur temps. C'est la pire des choses, perdre son temps. Nous devons faire très attention à qui et à quoi nous donnons notre temps et notre attention, car il y a souvent des gens qui utilisent leur temps et leur attention pour les mauvaises choses et avec les mauvaises personnes. Par exemple, pour que vous compreniez bien, les gens qui sont troublés, les gens qui sont persécuteurs, les gens qui sont envieux, restent là à parler, à donner des messages indirects, à critiquer, parce qu'ils ne veulent qu'une chose de vous. Ils ne veulent qu'une chose de vous. Ils savent qu'ils ne seront jamais comme vous, qu'ils n'auront pas la lumière qu'il y a dans votre vie, qu'ils n'auront pas la bénédiction qu'il y a dans votre vie. Ils ne veulent qu'une chose de vous. Ils veulent attirer votre attention. Les gens qui sont envieux, rancuniers, faux, c'est tout. Ce qu'ils veulent, ils sont ennuyés avec vous. Alors la façon dont ils vous atteignent est d'essayer d'attirer votre attention pour que vous parliez, pour que vous posiez des questions, pour que vous réfutiez. Vous comprenez ce que je dis? Notre attention, notre temps et notre attention sont donc des choses très importantes. Vous devez savoir avec qui vous passez votre temps et à qui vous prêtez attention. Je vous parle ici et Dieu m'apporte les paroles de l'aveugle de Jéricho, Bartimée. La Bible dit que Bartimée était aveugle, parce qu'il n'est pas né aveugle, il est devenu aveugle. Il était aveugle, un mendiant, et il a entendu que Jésus passait. Alors Bartimée a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Seulement, la parole de Dieu dit que les gens ont commencé à lui dire « Tais-toi, tais-toi, arrête de crier, il ne t'entend pas, il est loin ». Mais Bartimée n'a pas fait attention à ces gens qui le critiquaient. Bartimée est resté concentré sur le fait d'attirer l'attention du Christ. Vous comprenez? Les gens lui disaient de se taire, de s'arrêter, mais la Bible dit que plus il lui disait de se taire, plus il criait « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est très important, c'est très fort pour nous à mettre dans nos vies. Il n'a pas prêté attention à ses détracteurs. Souvent, il y a des gens qui ont tant de personnes autour d'eux qui vous louent, qui parlent bien de vous, qui se concentrent sur les bonnes choses que vous avez. Mais souvent la personne prête plus d'attention à la critique, la personne qui parle mal, qui critique, qui fait. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère des réseaux sociaux, qui fait un réseau social, un faux profil, comme ils l'appellent, un faux profil, qui n'est pas réel, pour être là à critiquer, à parler. Et la personne prête attention et perd son temps. Ils prêtent attention et perdent leur temps. Votre temps est précieux, car il ne revient jamais. Vous devez utiliser votre temps avec des personnes qui en valent vraiment la peine. Tu dois passer ton temps avec des gens qui t'aiment vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas perdre ton temps avec des gens troublés qui ne sont même pas en paix avec eux-mêmes. Comment peux-tu être en paix avec toi-même? Ce genre de personnes qui cherchent toujours à se faire mousser,
à dire du mal de vous, à vous persécuter. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de vous taire. La meilleure chose que vous puissiez faire pour ces personnes, c'est le silence. Vous n'avez pas à leur dire quoi que ce soit. C'est une perte de... Écrivez-le. C'est une perte de... C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Prêtez attention, réfutez et vouloir savoir ce que cette personne a dit sur vous, qui elle est, pour que vous soyez si préoccupé, si inquiet de ce qu'elle a dit. Regardez vers le Christ. Poursuivez votre chemin. Accordez votre attention à ceux qui la méritent vraiment. Donnez votre temps à ceux qui vous aiment vraiment. Comprenez-vous ce que je dis? Prête attention à ce que tu mérites vraiment dans ta vie. La vie passe trop vite. Une personne raconte des mensonges auprès de ton supérieur afin de te nuire. Ne perds pas ton temps à chercher qui est-ce ou pourquoi cette personne a dit une telle chose. Sachez juste une chose, une personne de supérieur que toi ne va jamais te critiquer. Une personne de haut niveau plus que toi ne te critiquera jamais. As-tu vu ton patron, ton supérieur ou une personne de grande responsabilité s'arrêter, perdre son temps à critiquer une personne de bas niveau que lui? Ils n'ont pas ce temps, pas de temps à perdre. Utilise donc ton temps et ton attention pour ceux qui en vaut vraiment la peine. Comprends-tu ce que je veux dire? Parce qu'il y a souvent des gens qui perdent toute leur vie à faire attention à nous et aux mauvaises choses. Il faut vraiment prêter attention à ce qui en vaut la peine. Il faut concentrer son temps, utiliser le temps qui ne reviendra jamais. Il ne reviendra pas. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Vous devez donc tirer le meilleur parti de votre temps et l'utiliser avec ceux qui en valent vraiment la peine et ne pas perdre votre temps avec des personnes en difficulté, avec des personnes qui vous poursuivent, avec des personnes qui savent qu'elles ne gagneront pas parce qu'elles n'ont pas d'objectif dans la vie et qu'elles veulent vous en priver. Vous trouverez souvent ce type de personnes dans votre vie professionnelle, sur votre lieu de travail. Vous rencontrerez ce type de personnes dans divers environnements, mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre temps ou de leur prêter attention. Ne leur souhaitez pas de mal. Je sais que vous êtes comme ça. Ne leur souhaitez pas le mal. Ne leur souhaitez pas de mal. S'ils ont fait quelque chose, essayez quelque chose, dit quelque chose, remettez tout entre les mains de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Dieu est fidèle. Vous n'avez pas à souhaiter ou à vouloir du mal à qui que ce soit. Remettez-le entre les mains de Dieu et continuez votre vie. Souvent, Dieu utilise une personne pour te nuire et cela va t'apporter encore plus de bénédictions que tu ne l'avais. La Bible dit que lorsqu'on a dit à Bartimée de se taire, il s'est mis à crier plus fort. Chaque fois qu'ils essaient de t'arrêter, c'est parce qu'une bénédiction se prépare. Chaque fois qu'ils te dérangent, c'est parce que la victoire entre dans ta vie. Alors n'abandonne pas, ne t'arrête pas. La direction que je vous donne est de continuer à aller de l'avant. Utilisez votre temps et votre attention pour des choses et avec des personnes qui en valent la peine. Et laissez les critiques se lever. Laissez les critiques s'exprimer. Laissez-les vous persécuter. Je me souviens d'une brebis qui s'est installée nouvellement dans un nouveau pays et elle m'a écrit par WhatsApp. Elle dit « Mon évêque, là où mes enfants et moi sommes actuellement, on nous persécute, les voisins nous insultent. Cette direction est également pour toutes mes brebis bien-aimées qui sont dans une telle situation. J'ai beaucoup de brebis qui sont à l'extérieur de leur pays d'origine. Ne les écoutez pas, ne perdez pas votre temps à les répondre en retour. » Ne les souhaitez pas de mal. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il vous envoie dans de telles situations. Comme je l'ai dit, ne souhaitez rien et ne faites rien contre eux. Remettez-les entre les mains de Dieu. Parce que Dieu a beaucoup, beaucoup plus à vous donner. Plus ils essaient de vous tourmenter, de vous persécuter, de vous abattre, et plus vous concentrez votre temps et votre attention sur Dieu, sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous cherchez, plus le Seigneur vous bénira, plus le Seigneur vous donnera la victoire. Vous croyez? Levez une main et déclarez « Je crois et je m'accroche ». Alléluia! La victoire vient à vous. C'est le message de Dieu pour votre vie. Amen. Je veux prier avec vous ce soir et déclarer que dans votre vie, rien ne manquera,
rien ne sera cassé, rien ne sera déplacé. Dieu est fidèle et a la victoire pour vous. Prions. Amen. Avant de prier, je voudrais vous transmettre un message. Attention, chères et bien-aimées brebis, la précommande des trois objets, tels que l'huile consacrée, le nouveau recueil de prières et le bracelet du psaume 91, prendra fin la semaine prochaine. Nous avons besoin du nombre exact de personnes qui voudront commander avant la fin de ce mois afin de faire parvenir la livraison à chacun de vous. Si tu veux passer la commande, envoie donc un message à mon équipe via le lien WhatsApp qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire. Tout à l'heure, quand la prière sera terminée, vous pourrez aller passer la commande. Mon équipe vous dira ce qu'il faut faire. Vous êtes d'accord? C'est bon? Nous allons prier maintenant. C'est le moment où nous allons nous fortifier en Dieu. Et mettez cette parole dans votre cœur. Cessez d'accorder de l'attention à ceux qui ne la méritent pas. Cessez d'accorder de l'attention à ceux qui ne font que la réclamer. Ils n'en valent pas la peine. Il y a des gens qui ne méritent pas votre attention. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être heureux. Et ils ne veulent pas que les autres soient heureux non plus. Alors tournez-vous vers Dieu. Concentrez-vous sur votre vie, sur vos plans, vos rêves et vos projets, sur votre famille, qui est la chose la plus importante. Et soyez heureux au nom du Seigneur Jésus. Amen. Prions. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé et cher, en cette nuit que j'appellerai, Père, une nuit de bénédiction, une nuit de renforcement spirituel. En cette nuit, Seigneur, je veux déclarer que rien ni personne n'arrêtera ton enfant. Rien ni personne n'arrêtera ton fils. Je sais que tu as un but. Je sais que tu as un plan pour la vie de ta fille. Je sais que le Seigneur a un plan pour la vie de votre fils. Et quand le Seigneur a un plan dans la vie de quelqu'un, il y a beaucoup de bouleversements. Beaucoup de bouleversements, de tribulations, de persécutions. Mais en tout, le Seigneur donne la victoire. Alléluia. Bénissez votre fille, Père. Bénissez votre fils, Seigneur. Entrez dans la providence pour que, au moment même où votre fille ouvre son cœur pour recevoir cette prière, elle reçoive la force, l'onction, la paix, la foi, mon Dieu, pour surmonter tout problème, toute lutte et toute tribulation qu'elle traverse. Au nom du Seigneur Jésus, recevez la force du Seigneur en ce moment. Père, je te le demande, bénis, Seigneur, tous les vainqueurs. Dans le domaine de la lutte, dans le domaine de la honte, puissiez-vous être plus que vainqueurs. Bénissez tous ceux qui ont déjà leur routine spirituelle, Père. Ils sont là tous les jours et toutes les nuits. Bénissez tous ceux qui entrent dans cette chaîne de prière pour la première fois. Que la bénédiction du Seigneur soit sur leur vie. Au nom du Seigneur Jésus, déclarez, je crois, je prends possession, avec une grande foi. Priez avec moi comme ceci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Et vous dites « Amen ». Rendez grâce à Dieu, gloire à Dieu, louange à Dieu. Vous qui êtes venus ici pour la première fois, vous avez reçu cette prière. Je crois que ce message vous est destiné. Et cette prière vous a déjà béni. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous voulez laisser votre nom écrit, inscrit dans cette grande chaîne de prière, cliquez simplement sur le mot « s'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. Vous ne payez rien. Il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit pas d'enseigne d'église. Il s'agit de Dieu. Amen. Et je vous demande à tous, avant de partir, de cliquer sur « Partager » et de partager cette prière, ce message avec autant de personnes que vous le pouvez. Je prophétise qu'à chaque partage, une bénédiction est envoyée et que cette bénédiction vous revient au septuple. D'accord? Minuit. Nous retournons prier 7 minutes en présence de Dieu. Je vous ai déjà dit que je vous aimais aujourd'hui.
Je vous aime, cher mouton. Que Dieu vous bénisse.